Et bien voilà, c'est le départ. Bonjour à tous. Et bien écoutez, voilà, je retrouve mes deux pèlerins que j'avais abandonnés à Navarinx au mois d'août. Et c'est reparti avec la pluie. Mais écoutez, on a bon espoir. A priori, ça va se calmer vers 14h. Allez, c'est reparti. Trop contente d'être là. Alors Christophe, pause déjeuner. Pause déjeuner avec Laurence pour et ce petit avec pic. Reiki. Avec Reiki en pleine nature. Ouais, super. Et voilà. On est super bien. On dirait que la pluie se calme en plus, donc top. Regardez cette jolie croix en face. Donc voilà, on dirait que ça se met au beau. On se fait un concours de vidéo avec Laurence. Allez, bon mec. Viens, on y va. Viens. Viens. Ouais, bien voilà, la lessive est faite. Et donc on est au gîte Bellevue. Donc on est les seuls pèlerins ce soir. Voilà, et bien écoutez, on a un petit studio tranquille et voilà, on va se reposer après 19 km. Bon, et bien écoutez, la première étape s'est plutôt bien passée. 19 km. Bon, il y a pas mal de routes sur cette portion, mais des petits sentiers aussi très sympas. Et on a croisé un couple de pèlerins, c'est tout. Donc là, c'est vrai que pour l'instant, le chemin, il n'y a pas grand monde. Et là, ce soir, on est les seuls dans le gîte. Donc voilà, et bah, écoutez, en tout cas, je vous dis à demain. Donc normalement, demain, on s'arrête 3 km avant Ostabat, puisque ce sera le seul gîte qui sera ouvert. Donc une petite série de photos suit, comme d'habitude. Et puis je vous dis à demain. Bonne soirée.